d'Adanienko, de militants des années aussi en train de retrouver, voyant au regard de l'autre, steunis van de vakbond en van de mutualiteit. En ik geef u ook in cijfer, je vais quand même vous donner un chiffre. L'année passée, on avait vendu 250 tickets au soldat syndicat, pour Pierre, dit jaar hebben we 900. Cette année, on a vendu 900 tickets au soldat syndicat. Voilà, ik ga niet langer roepen, je ne vais plus vous retenir. On est avant une fête grandiose, il y a plus de monde que l'année passée, et il y a encore plusieurs heures à fêter. Nous avons vécu de feesten et de genieten van des aanwezigheid et de solidarité in dit tent et op dit terrain. Donc il y a encore plusieurs heures à profiter de l'ambiance, de solidarité. Et je vous souhaite encore une bonne fête pour le reste de la journée et que nous avons prêté un feest pour le dag pour le reste de la journée. J'aimerais aussi passer la parole à M. Nico Cuyé, projet de femmes françaises, président de la MGTB, particulièrement du syndicat métallurgique Nico Cuyé. Bonjour camarades, j'espère que vous allez bien, et je disais en coulisses à Victor Merch, que c'est probablement parce qu'on a invité les métallos que le nombre de tickets a augmenté. Plus sérieusement, j'ai vraiment l'impression que je suis devant une assemblée de métallos. Il y a dans cette salle pas mal de visages qui tous les jours combattent, jour après jour avec moi, qu'on soit au nord, au sud, au centre du pays. Je remercie d'avance l'invitation.